Bonjour, aujourd'hui, ça va YouTube? Vous allez bien? Aujourd'hui, du coup, on va faire un Teach Us. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de Teach Us et que vous n'en avez pas vu sur la chaîne YouTube. Ah, j'adore les Teach Us. Franchement, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Rainbow Six, déjà, qui est un jeu relativement récent. Et en plus, le fait de noter des gens et de pas jouer de l'après-midi au final. J'adore ça. On va passer un bon moment. Et like, partage et commente. Enculé. Ça, on pourra pas le mettre sur YouTube, mais c'est pas grave. Du coup, créer, c'est parti. Il me faut les noms, là. Quelqu'un arrive dans mon... Hop là, c'est parti. Spectateur. Bonjour, je ne suis pas venu sur le live, mais je suis venu vite fait pour te donner de la force suite à ta dernière vidéo. Pascal, si tu veux me donner de la force... Ouais, les gars... Les gars, donnez de la force et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Tu vas voir un SDF dans la rue, il est là. S'il vous plaît, en plus, j'ai perdu un poumon et tout. J'arrive. Tu vois? Et tu dis, franchement, frérot, force! Il va te dire d'aller te faire enculer, tu vois? Eh ben, c'est un peu pareil. Non, je décolle, Pascal. Je décolle. Les gens, ils vont passer. Ils vont me dire, putain, mais quel fils de pute. Aïe, aïe, aïe. Tu te compares à un SDF, là? Bah, bien sûr. Je suis un SDF, mon gars. J'ai une barbe. J'habite à côté de Nantes. Je m'habille en militaire quand je sors. Et je demande des dons toute la journée. RTX 4080? Non, j'ai qu'une RTX 3080, mon gars. Eh ouais, et ça fait de moi un sacré clodo du Twitch game. Ok, allez. J'invite qui? Y'a qui vient dans mes oreilles, là? Nom de Dieu, l'organisation! Hein? J'ai dit ça. Ça veut dire quoi? Les surveillants, on se dépêche. On va voir, on va se renseigner. Au lieu d'être là, nous, on est des surveillants. On est que là pour modérer. On va voir. Visiblement, il y a un souci. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci, Axdinx. Et voilà, comme d'habitude, 6-4, il se plaint. Voilà, comme d'habitude, je demande à ce que ça vienne dans les oreilles. Il faut que je gueule pour que ça arrive. J'espère que ce sera mieux samedi, en fait. Hein. Pardon. Déjà, c'est mon boulot, de base. Et je laisse Yoni faire, puisque c'est son taf. Et pourquoi il n'était pas là, Yoni? Parce qu'il s'occupait de l'autre équipe, voilà. Yoni, que ta mère, hein. Yoni, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais, hein, voilà. Bon, alors, il va te donner les deux pseudo. C'est moi, parti, à plus tard, Axdinx. Alors du coup, pour le match 2, donc en capitaine de l'équipe bleue, on a Shiryu. Ouais, donc, ok. S-H-I-R-I-U, oui. Point. Et ensuite, Juste un point. Ok, et après l'autre? C'est Kinao, alors K-I-N-A-A-O-O. K-I-N-A-A-O tiré du bas. Non, il y a deux O. K-I-N-A-A-O-O. C'est ça. Oh la vache. Et tiré du bas, tiré du 6. Tiré du bas, tiré du 6. Ok, c'est bon, c'est fait. Ils peuvent pas m'ajouter en ami, non? Pour qu'on gagne du temps. Je leur ai demandé. D'accord. Ok, attends, je vais enlever tous les autres débiles qui m'ont ajouté en ami, là. Tu leur demandes de me redemander en ami, comme ça je peux le voir. Ouais, y a pas de soucis, je vais faire ça tout de suite. Ok, c'est très bien, Yoni. Ils acceptent, là? Ah. Lui, il va falloir que je le brief, lui. Ouais, lui, il va falloir que je le brief. Il va pas rester très longtemps, lui. Hein? J'imagine que je peux toujours pas venir. Nano, demande. T'as pas été très généreux ces derniers temps. Non, je dis ça. Voilà quoi. T'as pas été très généreux ces derniers temps. Même le Guise a été plus généreux que toi. Donc si tu veux participer, regarde le sub goal, Nano. Non, je déconne, va voir sur Discord, là. Tu leur dis salut, je suis le banquier perdu sur banque. Pour la peine, un mois de plus sans sub. Putain, la vache.
Merci Dredolen de pas être un gros fils de pute comme Nano, d'offrir la possibilité à 5 personnes sans rien demander en retour, ce qui fait de toi une personne altruiste et pas un enculé de ta race, d'avoir offert à Drag, Pingoui, Xordix, Démoniac et Darky leur droit de scolarité. Merci Dredolen de payer après avoir payé aux autres tes propres droits de scolarité, hein, te faisant étendre du coup une personne extrêmement altruiste et qui met l'autre avant lui-même. Tout l'inverse de Nano. Merci pour tes 32 mois, t'es un monstre. Ils acceptent ou pas? Yoni? Ouais, allô, ouais. Ouais, allô. Bah, du coup, il t'a envoyé la demande. Donc, du coup, je te répète les pseudos si tu veux. Oui, répète-moi les pseudos si je veux. Alors, du coup, le premier pour l'équipe bleue, c'est Shiryu, donc S-H-I-R-I-U, avec un point à la fin. 25. C'est tout. C'est tout ce que je représente pour toi, Nano. 25. Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont lâché des 50 et toi, 25. Bah, t'es vraiment une petite pute. Bonsoir. Et Shiryu et... Et le deuxième, du coup, c'est Kinao. Donc, K-I-N-A-A-O-O. O-O. C'est bon, je l'ai. Tiré du bas, nickel. Ok. Bon, allez, Nano, si tu veux jouer, bah, tu peux demander. Je t'avais pas besoin de faire les 25, je te l'ai dit. Néanmoins, merci pour les 25 droits de scolarité offerts, du coup. Envoyez des GG, envoyez des cœurs. Non, attends. Non. Attendez, avec Nano, ça compte pas. Bougez pas. Personne ne fait de sub. Faites pas votre petit fils de pute. Faites pas vos enculés de vos races. Avec Nano, ça compte pas. Voilà, là on est bien. Voilà, nouvel objectif. Faites pas vos enculés, c'est moi qui le trigger et tout. Il avait pas besoin de faire des trucs pour participer. Comment ça l'arnaque? Non, niquez vos races, l'arnaque de quoi? Attendez, c'est moi qui viens de le trigger. Non, ça compte pas. Nano, ça compte pas, les amis. Merci infiniment Nano d'avoir offert la possibilité à 25 personnes leur droit de scolarité. Pour Kuzer, Chotom, Kazo, Ozil, Aleta, The Mysterio, Lilith Unicorn, Ezik, Zashu, Rocco, Ninever, Cyanel San, Pafou le Viking, Gandalf, Tu pues des pieds, Papy. On a quand même une belle suite entre Gandalf, Tu pues des pieds, Papy. Ok. Onizu Karma, Anae Aldi, Grace Bat, Blitzkoz, Antoine 8887, Matteo, Kalyuga, Nabil et Maiku, ou Miku 52, pardon, se font tous payer leur droit de scolarité grâce à Nano, le plus grand de tous les contributeurs. Voilà. Et t'étais pas obligé, je l'ai dit en plus juste avant, va sur Discord et démerde-toi, ils te feront passer. C'est un teacher, tu peux. Hein. Merci Driss Panda d'avoir offert la possibilité à Slay, Blood Moon et Drago leur droit de scolarité. Plein de GG, plein de cœurs. Spammez-moi ce chat. Bande de fils de pute. Ok, du coup. Désolé Yoni, je te crie dans les oreilles du coup. Ouais, t'inquiète. Ok. Bah c'est bon, écoute, à moi, il en manque un de chaque côté là. Hop, bah je vais les voir dans leur channel, j'arrive. Ok, pleure pas. Hein. Oh, t'inquiète, tout va bien. Ok. Clubhouse. Border. Bank. Skyscraper. Night. Haven. Labs. Consulat, la nouvelle. Clubhouse, Border, Bank, Skyscraper, Night Haven Labs, Consulat, Café. Chalet. Clubhouse, Border, Bank, Skyscraper, Night Haven Labs, Consulat, Café, Chalet. On est bon. Qui c'est qui parle là? Je vais niquer lui. C'est parti, vous pouvez voter. Vous, soit vous tapez le nom de la map, soit vous... soit vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi il n'y a pas Plane? Hein? T'es con ou quoi? Il n'y a que les maps officielles.
Il y a Oni Gaming qui nous dit « Putain mec, j'arrête pas de parler jusqu'à Vlatar avec ma collègue. Je pense qu'elle veut ton chibre. Ok, mais attention, il y a une... comment dire ? Il y a un philosophe chinois qui disait « No job in job ». Et que je traduis par « No job in job ». C'est du mandarin. C'est ma chef. C'est ta chef, Oni ? Alors ça... Alors ça... What the fuck ? Non, Nano, Nano, c'est bon, quoi. J'ai dit, il n'y en avait pas besoin. Mec, j'ai envie d'aller me coucher, fils de pute, là. L'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Toujours qu'il casse les couilles à chaque fois. C'est pour que le Guise joue avec moi. Mais imposez-vous dans la troisième game. Vous virez deux gamins, là, qui n'ont jamais payé de droits de scolarité. Vous n'êtes pas obligé de refaire une quatrième, putain. Merci, Nano, d'avoir offert la possibilité à 50 personnes de payer leurs droits de scolarité. Nom de Dieu, donc 75 personnes au total pour Kaiser, Bramzer, Black Knight, Warskull, Smokim, Taaz, Jakash, Ama, Resville, Revil 64, Yuli Kirigaya, Hugo Proedit, Zoz, Effecto, Neowise, Batterplouf, Nazix, Stallion 62, Papouille, Moek, Mister Alexandre 76, Johnny 720, DNS Gaming BE, Rajat, Kayles, Kikoken, Lulu, EDC Esport, Assassin, Spirit, Jiluki, BZH, Furious, Bryzlame, I Am Mami Mads, Timk, No Access One, T-Barbie, Sidebar, Stut, Saditaz, Nagato, Mr. Rapace, MBRD 2005, Tire Trox, Nex, Gigi Lezin, Wazikil, Benji, Lufstig et Black Carcass qui se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de... Nano! Bah, fous une branlée à Xinx, là, il veut pas nous prendre. S'il veut pas vous prendre, c'est parce qu'il a promis à d'autres personnes. Après, ça nous retombe dessus, quoi. Je pense qu'il va falloir aller jusqu'à ce sub-goal, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, les gars. Il y a Nano qui veut jouer, les gars. Aidez-le! Je suis sub, t'as vu 6-4, t'as vu ? Tu t'es fait payer ton sub, Miko52. Il y a surtout marqué utilisateur suspect pardon, au-dessus de ton pseudo. Voilà, je tiens à te le dire. Du coup, c'est quoi la map, les mecs ? Meuf, tout le monde. Vous avez choisi quoi ? Vous avez choisi Nighthaven Labs. Bah, c'est parti. Nighthaven Labs, ils vont être contents. Nano, t'as le droit de mettre un nom pour la Blue Team. Ah ouais, normal, mec. 75 subs pour changer le nom. C'est un peu cher payé, mais bon. Vas-y. Suspect, pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Miko, mec. 6-4, t'es un exemple pour moi. Je suis un exemple pour toi ? Mais pas assez pour que tu claques ton prime ici, visiblement. Hein. Tu parles d'un exemple, toi, hein. Nano, je mets quoi comme nom d'équipe ? Dépêche-toi ! Je me sens ignoré, je pensais qu'on était sub, je serais plus drôle. Faut croire que non. J'ai les messages en violet. Écoute, tu vas avoir les messages en rouge tout à l'heure si tu continues à nous casser les couilles. Nano, il est là ou quoi ? Les poivreaux. Oh là là. Oui, allô ? Il y a Nano et le Guise qui me cassent les couilles. Oui, et alors ? Ils veulent absolument jouer, sauf que la troisième game, c'est des argents et des silvers. On va pas les mettre avec des argents et des silvers, quand même. Ah, c'est leur niveau ? Non, mais faut pas déconner non plus, X. Bah, ils sont tous les deux argent et silver, le Guise. Non, 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 c'est pas... Le Guise, il est... Non, je te jure. Intellectuellement, ils sont...
en silver, max. Oui, mais dans ce cas-là, toi, t'es cuivre. Donc, bon, si on va par là... Ok, ferme ta gueule. Viens en 1v1, que tu fermes ta petite gueule, là, qui vient d'avoir juste 18 ans, je te rappelle. On part en 1v1, tous les deux? En 1v1, pas de souci. Combien tu mets au bout? Combien je mets? 1000 euros. Je les mets cash, tu fermeras ta gueule. 1000 euros, Axdinx. D'accord, et moi, je donne quoi, du coup? 1000 euros. Mais j'ai pas 1000 euros à donner. Mais on s'en bat les couilles du coup, t'es sûr et ça... Tu penses que tu vas perdre du coup? Ouais, non, hein, non, je vais gagner. Non, ah je vais ouais, gagner. Tu vas gagner. Non, je vais gagner. Ferme ta gueule, bon allez, c'est bon. T'as, respecte-moi. Okay, donc je les mets avec les argent et silver. Non, tu les remets dans une quatrième game s'il y a une quatrième game qui se débloque, c'est tout. Ok. Tu fais preuve d'autorité. Okay. Oui, ils vont pas pourrir une game d'argent et silver, je sais bien. Bon ben, Nano. Il y a une organisation, Nano, merde. Il reste 43 subs, Nano, si tu veux te faire plaisir. J'ai fait 75 subs. Bah oui, Nano, mais il en manque 43. Que veux-tu que je dise? Et Nano, si tu voulais jouer, il suffisait de faire 75 subs, mais à moi. Hein. Non, ferme ta gueule, toi. Dégage. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Allez, Orange Team. Je retiens... Mais il va y avoir 43 subs, Nano, t'inquiète, là. C'est quoi l'annonce? Point d'exclamation. Allez! Putain, j'en ai ras le cul, là. Nano, choisis une autre équipe, là. Un autre nom d'équipe. Quelqu'un, donnez-moi un nom original. Vite! Soyez drôle, pour une fois. SFR. Orange. Faux cul. C'est le nom du truc ou c'est comme ça que tu m'appelles? Les couillons, les cuissettes. Eh non, y a que Nano, Oni et moi qui peuvent comprendre. Oui, c'est le nom du truc, faux cul. Les faux cul. Allez, ok, c'est nul à chier. Allez. Les scénaristes de HL2, les tricératops, les perdants, les développeurs. Oh là là, vous êtes nul à chier, vous êtes pas drôle. Vous êtes prêts? Impeccable. Ouais. À qui t'as dit TG, fils de pute, là? À qui il a dit TG, lui? À qui t'as dit TG, toi? C'est quelle équipe? C'est laquelle équipe là? À qui dit TG là? L'équipe violette. Y'a pas de violet, enculé, allez là. C'est celle de Kinao. T'es sûr? Vous dites l'inverse et tout. Bon, je relance. Et le mec a dit TG. Bon, je vais pas passer dans le machin, mais il joue pas, lui. Ok, tu remplaces par quelqu'un d'autre. J'en ai rien à branler. Abandonner le match. Ça va pas la tête ou quoi, là? À moi, on me dit TG, là? À fucking moi? On relance, histoire que l'on puisse faire une seconde après. C'était moi, mais je m'excuse, je pensais c'était le mec lent du cerveau en face. T'es pas sub en plus, Prey. Donc bah, t'as combo gagnant, quoi. Je te connais pas, t'as jamais écrit dans le chat, t'es pas sub, tu me dis TG.
Il y a même pas de doute, je m'en fous en fait. J'ai pas d'argent. Bah ouais, t'auras ni d'argent et ni de game ce soir. Que veux-tu que je te dise ? Ok, Vincent Cassel. Pourquoi Vincent Cassel ? Bon allez, let's go là. On l'invite et vous remplacez Spray. Dag, bonne soirée alors. Bah bonne soirée. Non mais ça va pas la tête là, qu'est-ce qui se passe là ? Merci Gigo Fast Life d'avoir offert à Spray ses droits de scolarité, ça change rien. c'est qui là, les personnes ? En avant. C'était qui déjà les noms ? Kinao, ah ouais. Eh, pour Nano, t'es là, Axinx ou pas ? Ouais. Ouais, mets-les en capitaine d'équipe de la prochaine game, ok ? Le Guise et Nano ? Oui. Merci. À tout à l'heure. Et tu remplaces l'autre là qui dit TG ouais, là. C'est et en cours. Je vois pas cours. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est pas sub participe au Teachers. Je peux pas certifier que c'était lui qui a répondu sur le chat, mais. Bon, on s'en fiche. Ah oui, d'accord, non, ok. Bon, ok. Ok. Ça marche. Allez, je gère ça. À tout à l'heure. Merci. Ça avance. Kinoa, Kinao et c'est qui l'autre en face ? Chérieux, bien vu. Du coup, la map, c'est Night Haven Labs. Et les noms, c'était... Bon, c'était nul, mais bon, c'est... Les poivrots face au focus. Lol. Allez, let's go. Merci infiniment Alrom pour les 7 mois. Merci Captain Hatsar pour les 4 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Merci Kaiser Viper pour les 2 mois. Vous êtes des monstres. Et Nano et Le Guise, oui, seront pour la prochaine. Ils seront les capitaines de l'équipe. On peut... Quitte à les faire jouer. Si ça vous va, Nano, ça te va ou quoi ? Il est là dans le chat ou quoi ? À plus tard, Gigo, t'es un monstre, poulet. Nickel. J'espère que je suis pas dans l'équipe de Nano. Ah merde. Allez, le dernier, là. Y'a des gens qui veulent me dire TG, là ? C'est le... J'ai switch le mec, ils vont s'inviter, ça va pas tarder. Ah, bah parfait. C'est le temps de trouver un remplaçant. Voilà, c'est tout. Non. Enfin, si, mais elle est protégée, tu vois. Ah bah on va ça, hein. En revanche, j'ai le clic droit, fais gaffe, j'ai le clic droit rapide, chérieux. Ok, pardon. Non mais tu vas pas encore nous virer un mec, on va galérer pour en trouver un autre. Dépêche-toi là, il arrive ou quoi ? Oui, il arrive, ils sont en train de s'inviter. Je sens que ce week-end, ça va pas être bien organisé. Hein. Salut. Alors, déjà, c'est pas moi qui ai organisé ça. Et puis... On bon. Sent, hein. C'est pas comme si tu nous avais dit ce matin, tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un teach-us. Oui, alors, vous avez besoin de 16 ans pour organiser ce truc là ? Bah, on bosse, hein. Comment ça, tu bosses ? Tu branles que dalle, toi. C'est pas vrai. Bah, si. C'est pas parce qu'il commence à 11h ce matin que. J'entends que des excuses. Ouais, bah voilà, Zerosk, à chaque fois. Non, quoi. Mais Zerosk, Axe voilà. Dinx, le patron de l'excuse, quoi. Non, mais nanana, mais moi je peux pas. Et ben, moi, bon, allez, c'est bon, il s'invite, va lui mettre un petit coup de pression et c'est bon, tu peux y aller. Ok, je lui mets un petit coup de pression. Ouais, gentil. Bon, ma chef, alors, parce que je suis en plein dilemme, moi.
passe-moi son numéro, je vois si elle a envie de ta bite. Donc Oni Gaming est dans le chat, les amis. Et il a une chef, une manageuse. Ok. Et visiblement, Oni, tu... Oni. Fais gaffe. Ok. Déjà, envoie-moi une photo. Que je valide ou pas, ta manageuse. Ah bah enfin, on peut lancer. Ouais, c'est bon, vous pouvez lancer, ouais. Yes. On va voir qui en premier. Ouais, bot game. Ouais, plus tard. Donc, Oni drague sa supérieure hiérarchique. On est d'accord que c'est une idée de merde, quand même. Puis elle rigole, elle coupe sa cam. Elle écrit, tu rigoles, tu coupes ta cam. Non mais... En vrai, c'est normal de rencontrer des gens au boulot. Mais... C'est une putain d'idée de merde. À moi d'avoir envie et d'être prêt à changer de boulot. Non mais ok, rationnel. Je suis premier degré là. Si t'es prêt, Oni, à changer de boulot, et je plaisante pas, hein, si t'es ok avec la possibilité de changer de boulot, alors c'est ok. Si tu te dis, bon, soit ce boulot-là, c'est ce boulot, mais en soi, si demain, je change de boulot, bon, j'arriverai à faire ce que je faisais ici, ailleurs, quoi. Si le boulot, tu le kiffes, etc., no job in job. No job in job. Non, mais c'est un coup, est-ce que ça se passe mal et tout. Parce qu'on n'imagine jamais le côté négatif quand ça commence à... Ah, salut, ça va, gnagnagna. Mais bon, déjà... Bon... Tu es un mec exceptionnel, Oni. Mais t'es pas non plus George Clooney, tu vois. Donc si elle le fait avec toi, il y a peut-être des chances qu'elle l'ait fait avec d'autres. Ok. J'ai envoyé une photo. Tu m'as envoyé une photo? Montre pas en live. Franchement, non, ça vaut pas le coup de perdre son emploi. Parfois, ça peut valoir le coup. Ça se trouve, je suis en train de parler en live de ta future femme. Là, parfois, ça peut valoir le coup. On se dit, ok, on émet des pondérations, on se dit, ah, attends, quand même, tu vois. Ah. Là, c'est le genre... faut attendre très 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 longtemps avant qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut être absolument sûr que ce soit dans une logique... Que ce soit transparent, que ce soit dit, que ce soit clair. Il faut être absolument sûr qu'à aucun moment ça pourra se retrouver contre toi. Parce que il n'y a rien de pire après que d'avoir ton ex qui est ta supérieure hiérarchique et qui te balance des gros cordialement, quoi. Non, après tu vas péter un câble. Imagine, faut imaginer le worst case scénario. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets une cartouche, ça se passe mal. Puis avec toi, bon, sexuellement, il y a de grandes chances que ça se passe mal, tu vois. Et ça va pas être l'extase pour elle, tu vois. T'es pas un Jedi de la bite. Donc, ça se passe mal. Et derrière,
Oula, et ça commence à devenir froid entre vous. Genre vraiment. Et là, tu commences à te dire merde, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Ah. Donc, faut faire attention aux soirées organisées. Bah, c'est ça. Et mon taf, je le kiffe tellement, ça me mettrait mal. Non, mais franchement, premier degré. Non, fais gaffe, vraiment. On n'a pas vu ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'ils font, ces trimards? Il s'est fait ouvrir le Ace là. J'ai pas vu s'il était mal passé ou pas. En vrai, la seule probabilité que ça marche, c'est sur une logique où, au moment où il y a l'acte de d'y aller, quoi, faut être sûr à 800%, quoi. Donc il y a déjà eu, tout était clair, tout a été dit, il y a une bonne communication. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, voire même vous avez déjà, vous connaissez depuis des mois, et tu lui as déjà partagé ça, quoi. Tu lui as déjà partagé le fait que, ouais, enfin bon, t'es ma supérieure, t'es sympa. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, quoi? Et tu vois derrière, si la personne est dans un déni, attention, en mode non, mais ça se passera jamais mal, pourquoi ça se passerait mal entre nous? Aïe, aïe, aïe. En revanche, si la personne, elle te dit, bah ouais, mais c'est vrai que. Et je me suis posé la question aussi, mais bon, je suis prêt à prendre le risque, quoi. Bon, bah, why not, tu vois. Mais c'est tout. Jamais je tente. Bah, après, il y a le côté de se dire, je passe à côté peut-être de la nana de ma vie, tu vois. Mais il faut absolument être sûr que tous les feux soient au vert. Faut pas que ce soit, genre, soirée du premier de l'an arrosée à la boîte. Voilà, quoi. Elle est tellement drôle. Attends, une femme drôle? Ah non, épouse-la, épouse-la. Non, oublie tout ce que je viens de dire. Ah non, mais ça y est. Une femme drôle. T'es sûr que c'est une femme? T'es sûr? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Il y en a 6 sur la planète. Il y a Blanche Gardin. Et 5 autres qu'on n'a jamais vues. Donc garde-la. Bon, fallait aller voir qui, là? C'était lui, là, qu'on a vu, non? Florence Foresti. Elle était cool, quand même. Je vais pas cracher sur Florence Foresti, parce qu'elle était cool. Et elle était très jolie, en plus, moi, je trouvais. Allez, tu vois, à l'époque, quoi. Bon, après, depuis, je sais pas ce que ça devient, tu vois. Merci Dingo, merci Spec Fenrir, nouvel étudiant du campus, merci Dark Zone d'avoir offert à Rutra ces 8 mois, vous êtes des monstres les amis. Il est amoureux, info sûre. Non, il est pas amoureux, il a paniqué depuis un an. Ah, ça provoque souvent la même envie. Mais faut connaître. Faut réussir à voir la différence, hein. Il s'est arrêté, il a oublié que c'était de son côté le lion, non? Non, je sais pas ce qu'elle devient. Non, mais ce que ça devient dans sa carrière professionnelle, je parlais. Ou ce qu'elle devient. J'ai dit ce que ça devient. Bah allez, j'aurais dit la même chose pour un homme. Les gars, ne faites pas des... Soyez sûr que vous allez pas devoir Volt. Ça, c'est l'erreur. Hein. On pète la porte en utilisant toutes ses cartouches et on recharge. Le mec, s'il sort à ce moment-là, t'es en mode... Ah, je reload! Zaneko, c'est la dernière fois que tu demandes, hein, sur le chat. Hein. Fais pas ton mendiant, là.
Pas de mendicité. Voilà. Tu veux être sub, tu te sub. Ok, il joue bien, il s'applique, ça s'applique. Voilà, et puis ça pixel, ça respecte les lignes et tout. Il y a quelques trucs un peu cons, mais bon. Mais ça ouvre les murs. Ça comprend la logique de venir éplucher l'oignon. Ça vient planter, ça couvre les bacs. C'est pas mal ça. Ça joue Ace. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu s'inscrire sur le console War? J'ai une erreur 404. C'est chelou ça. Ok. En avant sur le Ace. Quelle est la note du Ace, les amis? Quelle? Salty fan. En avant. On va aller voir Ezimax qui a fait 4 kills. Allez. Vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 dans le chat, ça n'a l'air de pas marcher. C'est chelou ça. Bah merde. Essayez. Putain, pourquoi il veut pas là? Non, ça marche pas, ça marche pas. Il me dit might be having issues. C'est relou, les petits loups. Je vais re-login au cas où. Mais bon, si ça apparaît derrière moi, normalement ça devrait être bon. Hein. J'ai mis 6 personnellement. Et ça tournait autour de 6, 7, ouais. 7, 8 même. J'ai mis 6 pour le S. Et encore, j'aurais pu mettre 7, c'était pas déconnant. 7, c'était pas déconnant. D'accord, c'est pas... Comme par hasard. On parle du site qui va bien depuis 5 ans, et le soir où on en parle, il va pas. On s'en fout, c'est pas très grave. Bon, j'ai pas vu du coup. Vas-y là, oh là là. Sites qui tiennent pas, c'est relou. Sorry, je vais faire un alt tab. Hop là.
Qui a gagné le match précédent? Bon, on s'en fiche de gagner. Pour le moment, c'est là le nombre de rounds et tout. On s'en fiche complètement pour le coup. Là, le but du jeu, c'est l'individu qui nous intéresse. Eh ben, je peux pas faire les notes. C'est sympa. Bonjour Dems déjà, bonsoir. Et pour l'exclamation CW pour répondre à ta réponse. Bah ça me fait chier. C'est chiant si on peut pas voter ensemble. Pas grave. Vous le balancerez dans le chat. Il y a combien de possibilités avec le sondage dans le chat? Cinq, non? Yo, Excel, comment ça va? Cinq. Eh ben, vas-y les amis, vous pouvez faire un sondage du coup. Et on note sur 5 maintenant. Sondage qui sera quelle note à chaque fois avec le format le plus rapide. Hein. Pas maintenant bien sûr, mais pour la fin du round. Ok, on va regarder du coup, c'était qui? Ah mais du coup ça... Ah non, Ezimax, il est là, allez. Qui joue sur l'averti et qui se fait enculer. Super, on n'a rien vu. Allez voir quelqu'un d'autre. C'est pas plus mal, on a encore du monde. Zofia. En 2023, on votera sur 5, ça ira. Ok, il a l'air de pas tirer trop mal. Ça plante de l'autre côté. Ouais bon ok mais... Bah Zofia elle a servi à rien. Ça pushait sur le site et tout machin. Relou ça, on peut pas noter les gens qui font rien là. On tombe sur les deux mecs qui se font arracher dès le début du round ou qui font rien du tout. Pas de sondage. La prochaine. On va aller revoir Ezimax, on va lui donner une deuxième chance. Device activated.
Elle donne quoi à Camille? Je sais pas comment on l'a fait. Comment tu la trigger la cam libre? Quelqu'un sait? On m'a pas expliqué tout à l'heure. Six, est-ce que toi aussi t'attends X défiant? Pas du tout. Sisma disait à la manette, non? Ah ouais, d'accord, ok, bah laisse tomber. La flemme. Merde, attendez. Easymax, qu'après un minute. Oh, c'est la game la plus chiante du monde en fait. Oh, le crosshair placement au niveau de on sait pas où. Me dis pas qu'on va rien voir. Tu regardes pas s'ils regardent. Il y a un mort chez eux et tu regardes pas si le drone quelqu'un est dessus. Bah, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Easymax, à ton avis, t'as marché sur un drone. Il y avait un mec qui est de chez eux qui était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Rainbow Six. Le drone était dans l'axe du couloir, dans lequel tu vas même pas prendre l'info de savoir s'il t'a vu. Bon, moi je peux plus rien faire là-dessus. Hein. Je peux rien faire. Hein? Pourquoi il marche pas ce putain de site? Vas-y, go sondage. De 1 à 5. Sondage rapide. Attendez, le sondage va apparaître. Normalement, il y a un surveillant là qui doit dire « Je m'en occupe !» Comme ça, je suis au courant de « Est-ce que quelqu'un s'en occupe ?» ou « Va pas s'en occuper ?» Ah, ouais, je pouvais pas savoir si on était dessus ou pas du tout. Merci, Zerosk. Sondage en cours, du coup. Je pensais que vous étiez parti. Regarde S4B, déjà tu dis bonjour. Et j'irai le voir en dernier. Et s'il te plaît. Du coup ton S4B, ok je le note bien. Celui-là tu veux que j'aille voir? Bah j'irai le voir en tout dernier. On va aller voir qui? Ah oui, au fait, je lui ai mis un à l'autre. Ah non, c'était de la merde. Franchement, c'était nul à chier. Ouais, oh, y'a rien à dire. Franchement, on s'est fait chier, là. La rotation, elle était nulle. Bon, et la raison, je l'ai expliqué, hein. Bon, quitte à faire le backstab. Voilà, quoi. Et autant jouer sur la verticalité qu'un C4, à la limite, tu vois.
Ok, on va aller voir Track Vieille. Non, 03, on va pas aller voir Track Vieille. On va aller voir Nitroux. Nitraou. En avant. Prends les infos. Ça s'insère au pire endroit de la map. Face check. Heureusement, l'autre vient de se faire totalement annihiler. Parce que autrement, il se faisait enculer. Face check total à un endroit où il y a 1440 possibilités de mourir. Le pire endroit de la map. Sondage pour celui-là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? T'ouvre le T1 à la limite. Et t'ouvre pas un truc quand tu commences à regarder comme ça dans une pièce sur Rainbow Six. C'est compliqué, tu vois. Là, là, peut-être là, là. Tu vois. Là, il aurait droné, non? Ben oui, tu peux pas rentrer dans ce genre de map, dans ce genre de pièce, sans avoir l'information des pièces adjacentes. Et quand bien même, déjà, le premier move, heureusement que le mec se fait annihiler, là, parce que jouer le catwalk, c'est le même catwalk que sur Clubhouse, hein. Tu le joues pas en face check, le catwalk, hein. Ça se joue pas comme ça, en face check total, quoi. Nul. On va voir qui est là. Kinao, tiens, avec un montagne. On l'a fait, Kinao? On l'a noté, Kinao? Non. Vous aurez pu faire des prédits pour les games. Vous auriez pu faire des prédits pour les games. Eh, hey, Miko, tu parles trop. Miko, tu vas prendre 10 minutes de ban. Parce qu'en plus, dès qu'il y a ton message qui apparaît, là, il y a marqué tes fichiers S, et ça prend tout mon chat. Non mais attends, ah je vois utilisateur suspect quoi, qui nous dit ah, vous auriez pu, nanana, bah oui ok, on aurait pu. Hâte de voir sa note, ah, c'est Kinao, c'est ton pote? Bon ça va, venir là c'est pas trop mal. Mec, ta montagne, vas-y, avance, ouais, voilà. Ah ouais, zéro risque, quoi. Hein. Tu veux pas casser la porte, par exemple? Mais les gars, ils jouent à Ready or Not. On décroche. Top action, top. Action sur... allez, main courante gauche. Allez, on y va. On top. Ok, il y va. Il se rappelle, c'est Rainbow Six. Là, il va être perdu comme une poule. Ah, il ping. Il reping.
comment il a pris un dégât là? C'est son pote qui lui a tiré dessus, non? Ah, l'autre il avait la flash. Il va y aller jusqu'au bout, hein. Le pinger fou, quoi. Ah, il s'en bat les couilles. Fil barbelé. Tac, tu veux ping FC4, non? Fenrir. Bon, le Fenrir, la Valkyrie l'a dégagé. Frère, vous êtes en 2v5. Et à un moment, il va falloir faire des clics droits et tenter de mettre des têtes, là. Hein. Sondage. Ouais, Fenrir, on s'en fout les mecs, hein. Oh là là. L'horreur à regarder. L'horreur. C'est votre pote, ça, les gars? Ah, les gars, votre pote, il pue la merde. Voilà. Je pense que tout est dit, hein. J'ose pas lui dire. Non, mais il prend montagne et tout, c'est pas trop mal, il essaie de faire les choses bien, tu vois, ça va. Mais derrière, il reste 10 secondes, il faut adapter. À montagne, comme il le fait, c'est à montagne où il y a 5 mecs de ton côté et 2 gars en face. Et dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, je clique pas droit, quoi. Mais si tu prends montagne, il y a un moment, faut cliquer droit, quoi. Et quand il reste 40 secondes et que vous êtes en 2v5, il y a un moment, faut faire des kills, quoi. Faut trouver une ouverture. Faut pas rester tout le temps là en mode non, bah moi je suis montagne, je ping. Bah oui, mais y'a qu'un mec derrière toi. Hein. On va aller voir Track Vieille. Qui a aucun kill. Merci Ryo Saeba, le vieux 57. 57 mois déjà que tu payes au sein du campus. Un monstre poulet. Merci beaucoup, vraiment. Je suis Emerald, bientôt Diams. J'ai pas envie de lui faire du mal. Je pense qu'il stresse. Ah ouais? Ah, c'est chaud. Ah, c'était chaud là. Là, j'ai chopé le Covid en regardant son gameplay de montagne. C'est chaud. Oula! Il y a eu un petit. Anticipation du drone qui bougeait plus en fait, hein. Donc, non. Il est affûté, le premier kill. Oh, il y a quelque chose qui est passé là-bas. Quelque chose est passé, je vais monter là. Il a un charme Ubisoft. Salut, ça va. Il a un charme Ubisoft. Il a mis le charme Ubisoft. Non, mais je sais pas. Enfin, il y a d'autres. Merci K6B pour les 26 mois. T'as un monstre, poulet. Il est dev. C'est un dev. Ok. Sondage pour le dev. Il a fait. Il a mis une tête. Premier kill de Track Vieille. Ça va, Six? Ouais, ça va, nickel. J'aime tellement faire les teachers.
C'est vraiment ma raison d'être et ma joie de vivre. Noter des mecs qui puent la merde, c'est un grand kiff pour moi. Je passe ma meilleure soirée. Oh, vraiment. Incroyable. Vraiment, on voit du beau jeu, on voit des belles choses, des gens qui respectent bien Rainbow Six. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'ai envie d'aller me coucher, quoi. Hein ? Du coup... Vas-y, j'arrête d'effacer. Il a pris 1, c'était nul à chier. Voilà, il a mis une tête, 1,5. Vous allez tous prendre 1 ce soir, de toute façon. Oh, bah non, vas-y, arrête. Eh, l'autre James Bond, quoi. Deagle silencieux. Tu lui demandes pourquoi ? Bah, parce que j'aime bien le style. Un Mary, quoi, c'est sûr. Bon, on va aller voir qui. Il reste Maxime 592, on n'a pas fait ça. Vous avez voté 2. J'imagine que tu fais un Youngtis Royal pour la Louvard. Peut-être. On verra. C'est possible. Il rentre le drone là-dedans ? Ah ouais. Un autre drone peut-être pour avoir un bon gameplay World of Tanks là. Merci infiniment Team Rook, nouvel étudiant, bienvenue poulet. Merci Soupadop pour les 3 mois de frais de scolarité des monstres les amis. Il y a quand même que t'as prise, non ? Bon, après, t'as les mecs qui sont morts, ils peuvent t'aider, mais... Oh oui, ça vient de la droite. Hein. Non, bah c'est la même que t'as vu tout à l'heure. Oula ! Ça tire diagonale ! Tac ! Un V1 ! Oula ! Il aime pas les céréales. Il le cherche. Oh, pré-shot. Reload. Troisième fois peut-être. Pour reload. Oh, pré-shot. Oh, wow. Ok, Maxime en clutch. Quelle note ? C'est le pote de quelqu'un, Maxime, dans le chat ou pas ?
Ah, oh, c'est chaud là. Maxime. Il a tenté, il a fait des choses bien, il a essayé de pré-shot. Bon, t'es en 1v1, faut pas faire de bruit quoi. Hein. Tu plantes la bombe, t'écoutes. Plante la bombe, t'écoutes quoi. Il a tiré, il a tenté des pré-shots. Faut jamais pré-shot en fait dans le jeu. Ouais, faut écouter, être sûr de soi et puis c'est tout quoi. Eh ben, c'était pas ouf, hein. Mais bon, je pense que c'est un nouveau joueur, les amis. Donc essayez quand même de donner une note encourageante. Vous pouvez voter, hein, le sondage en haut de l'écran. Du coup, comme c'est un nouveau joueur, j'ai pas envie de lui niquer tout son avenir sur le jeu. Je lui ai mis 0. Parce que c'était quand même bien de la merde, quand même. Hein. Franchement. Ah la vache. C'était dégueulasse à regarder. Les gars, venez pas au petit chess, hein. Franchement, vous allez vous en prendre plein la gueule, hein, je vous le dis. Non, mais 6-4, s'il te plaît. Non. Il y a zéro gentillesse qui m'a arrivé. Si ça sent la croquette, je vais le dire. Hein. On va aller voir qui? On va aller voir Shizu. On l'a déjà vu, Shizu. Y'a Shizu, y'a Shiryu, y'a Shimoku là, et ils se font chier avec leur pseudo là. Shizu, on l'a pas vu. Ok, Shizu, attention. Ouh, ça drone, nanan. Attention, c'est déjà plus affûté dans les mouvements. Tac, ok, oubliez ce que j'ai dit, il est débile, il est con comme une bite. Ok, c'est bon, ça passe. Tac, prends l'info. Mira à droite, ok, Mira. Comment tu la joues? Ah oh ouais. Ok. Ah bah ça c'est con ça. Ouais. Hein. Ah je pense que c'est mieux. Hein. Grosse clé mort quand même, hein, à droite. Magnifique. Incroyable. Belle clé mort là pour le coup. Oh oui, elle est pas mal celle-là. Ah bon, on n'est pas là pour juger l'équipe parce qu'autrement... Attends, il est où Shizu? Shizu, on va voir Shizu. Oula, pré-shot. L'électricité, ça fait mal. Ah, Shizu... Arrête, Shizu, arrête la cocaïne. Oula, droite, gauche, gauche, droite, il sait plus. Oula, tac, tac, ça c'est pas mal. Oula. Chez copine. Ok. Ouais, bah ouais, de toute façon. Oula. Ah oh, oui, c'était bien, hein. Fallait le ramasser maintenant. Ah bah les gars, on a des... On a de très très bons joueurs ce soir. Hein. On a des joueurs incroyables. Allez, la note pour celui-là. Ah, donc, merci hein, pour cette belle game. Vous me donnez envie de continuer à faire du cast sur Rainbow Six. Oula. GG. Ah c'est fini. Ah bah c'est pas plus mal en fait. Ok, donc combien pour Shizu? Voilà, ils ont tous pris 1 toute la soirée. Parce que c'était quand même bien de la merde. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le dans les commentaires. Et...